Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc partis pour une nouvelle partie de ce Let's Play Pokémon Emerald. Après avoir terminé Pokémon Crystal, hein, qu'on s'est tous éclatés sur Pokémon Crystal. Bon, là, d'essayer qu'on s'est Emerald, et là, on a bien avancé. Déjà, on n'a toujours pas pété la gueule à Voltaire. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas fait Voltaire. Si, on l'a fait. Si, on l'a fait. Non, on l'a pas fait. Alors, je vais aller voir. Je me souviens même pas. Non, on a dit qu'on s'arrêtait devant. On l'a pas fait Voltaire. On n'a pas fait Voltaire, bordel de merde. Ah ouais, on l'a pas fait. Donc du coup, on va aller le faire aujourd'hui. On rappelle qu'on a le vélo quand même, que ça c'est vraiment la classe. Et on va voir notre équipe Pokémon. Qui c'est qu'on a? Ouais, on en a 5 sur 6, puisqu'on n'a rien capturé d'autre. On a Zerator qui est derrière, mais c'est normal parce qu'il fait partie du gang des Goélands, donc il est beaucoup trop fort. Il faudra le up, mais là pour cette arène, il va pas servir à grand chose, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire. Puisque il est haut. Voilà, et il va se faire casser les dents. On a fait tous les mecs dedans. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on pexe encore un petit peu quelque part? Je vous pose la question. Il y a ces deux mecs ici. Je les ai déjà fait. C'est Xari Rogar en premier. C'est bon, ça me va. Et là, il y a... Ah oui, d'accord, je sais. Il faut faire ça. Tac, il va y avoir deux. Et en haut à gauche, il y a les typical mecs qui vont arriver à la chaîne aussi. Donc, je sais pas si on peut les faire ou pas. Ouais, on pexe encore un petit peu. On est d'accord. Ok, ok, ça marche. Ça marche. On va faire comme ça. Alors, on a un mec qui faisait un barbecue qui veut se battre avec Bianca. Et Saltimbanque Jerry. Oh, Jerry, j'ai rigolé. Allez, attention, qu'est-ce qu'ils envoient? Oula, 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 on a du Chamallow. Chamallow, c'est feu, hein, normalement. Chamallow, c'est feu. Et on a Balignon, plante. Plante de type chiant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a téléporté un choc mental, bien sûr. Est-ce que lui, on le choc mental direct? Est-ce que lui, on le démonte? On lui met un coup de boule, choc mental. On va voir. Boum! Ça, c'est un coup de boule qui passe direct. Oh pute, c'est vrai, il a les pauses de sport. Oh, je suis con. Oh, je suis débile. Je suis débile. J'aurais dû faire coup de boule. Ok, ça part sur une charge. Ça part sur une charge, ça part sur du parasport. Ah merde, merde, ça c'est la merde quand même. Ça c'est la merde, je vous le dis, c'est la merde. Bon, Balignon, on peut le démonter. Si on lui fait passer les deux attaques, si on a de la chatte. Méga sensu, enculé de rire. Ça c'est chiant, méga sensu, il va se heal un peu. Putain, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Ah non, c'est méga sensu, super. Tiens, pause de sport, ah ouais mec, j'ai copié. Chien, va. Ça, le coup de boule passe. Oh nice, choc mental, allez. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est bon, il est mort. Donc Chamallow, vu qu'il est paralysé maintenant, c'est une grosse merde. Et on va pouvoir le défoncer grâce à mes Pokémon de type trop fort. Nice. Oh là 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 là. Ah, je suis paralysé, merde. Charge. Oh, enculé de rire. Là, faut le tuer maintenant. Boum, le coup de boule. Et voilà, Hogar méga chaud. Hogar qui fait un peu le café là sur cette histoire. Bon, ils étaient nuls là. Ils m'ont pas donné d'XP en plus. Je suis pas hyper emballé là, je vous l'avoue. Alors ça, on va le récupérer, c'est un élixir. Est-ce qu'on fait le mec en haut à gauche, enfin la famille plutôt? C'est toute une famille à affronter. Et je sais plus quel Pokémon ils ont. Vous vous souvenez les Pokémon qu'ils ont, cette famille? Enfin, quel niveau ils ont? Je crois que c'est la vingtaine aussi, hein, les niveaux. Là-dessus, maximum, ça monte assez chaud, quoi. Il me semble. Oh là 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 là. Alors, ouais, il faut la faire, on va le faire. Voilà. Pluie de sperme sort quand? Bientôt. Ça, je travaille sur ce film, très très bon. Donc c'est parfait. Oh merde. Non, je veux pas les soigner. Une prochaine, c'est ça. Ils sont max niveau 22, d'accord. Petit Pokémon niveau 100, la famille. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Alors là, on a des gens. Lui, est-ce qu'on peut... Non, lui, c'est un pauvre américain. Là, normalement, il y a une équipe télé. Il y a lui qui veut éclater... Enfin, pour éclater rock. Là, il y a la tour de combat ici, qu'on n'a pas faite. Peut-être qu'on la fera. Voilà. Est-ce qu'on les fait? Ça, c'est chaud. Je regarde ce qu'on a dans le sac, quand même. Hein. Pokéball, non. On a 3 super potions, c'est pas beaucoup. Hein. Mais on peut peut-être le faire. Allez, on y va. On y va. On y va, go. On va niquer ta race. Bon esprit, j'aime ça. J'aime ça. Ok, on est parti. On va tuer toute la famille. Ok, un hirondelle des familles. C'est de la merde. Allez, Xari, te laisse pas avoir. C'est un putain d'hirondelle, mon gars. Allez ma gueule, choc mental ça, tu le démontes. Vive attaque, ok, ça fait pas de dégâts, c'est trop de dégâts, c'est beaucoup trop de dégâts. Beaucoup trop de dégâts pour ce que c'est. Désolé, mais bien, bien ouais. Ah merde, dis-moi c'est une Beoran, pas une Bessitrus, c'est bon. Ah mais il se heal quand même. Vive attaque. Oh, enculé de rire. Allez, tu le tues. Nice. C'est bien ça, Xari. Ok, 200 points d'XP. Bon, le Zigzaton, c'est chiant. Ah, j'ai un Xari qui est out quasiment, quoi. Donc on va prendre Rogar. Ah, mais chier, un Xari, il tank que dalle. Hein. Ça me saoule un peu.
Bon, Zigzaton qui a été envoyé. C'est bon pour un coup de boule, ça. Oui, non, mais alors rugissement, parlons-en. C'est pas grave. Bon, j'ai confiance aux gars, ces coups de boule sont assez puissants, voilà. Putain, ils ont que des baies. Ah, les salauds. Le problème, c'est que là... Bon, alors, on va le coup de boule. Ok, on s'en fout. Je pense qu'on va le coup de boule, on va soigner Xari et ensuite le terminer. Parce que si Xari est premier, là, sur le truc, j'ai pas envie qu'il meure au prochain tour. Le problème, c'est que là, il a pris Bagdad. J'ai pas une petite potion de merde, un truc nul. Une Beoran ou un truc du genre. Ah non, j'ai rien du tout. Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise une super potion sur Xari? Ouais. Bon, j'en utilise qu'une. Hein. Mais que sur Xari. Voilà. Ah, c'est chiant, 33 points. Mais bon. C'est parfait, donc il est mort au prochain tour. Bon, c'est bien, on perd pas de tour au final à proprement parler. Avec la prise de dégâts. Tiens, on va lui mettre un petit coup de coupe. Et ce sera parfait. Bon, il avait que ça comme attaque, il était nul. Lui, c'est le père, c'est le plus nul. C'est le poubelle. Mais après, ça va arriver. La famille derrière, elle est pas mal forte. La grand-mère, je sais qu'elle envoie du. Elle envoie du sale. Elle envoie du sévère. Ah, donc attention. Ok. Et j'ai trouvé un dresseur. Ok, c'est parti. Donc là, je crois qu'on a le père, la mère, la soeur, le frère et la grand-mère. Il me semble, ils sont 5. À ton tour de combattre. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'elle a, la maman? La maman! Un Pokémon, ok, parfait. Oh, c'est ton Roselia. Oh, parfait. Alors, je suis censé lui pisser dessus avec Xari, c'est-à-dire que choc mental, elle meurt. On est d'accord. Si j'attaque en premier, c'est parfait. Pas du tout. Croissance. Merde. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il augmente sa défense? Il augmente pas sa défense spéciale. Et voilà! Quoi? Oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors là, je suis méga deg. Oh, je suis méga deg. Oh putain. Oh merde. Ah, fait chier. Ah, ça, ça fait chier. Ah, ça, ça fait méga chier. Bon, baiser par une rose. Oh ouais, ouais, ouais. Ah, mais Zerator, il va se faire Zidoued. Je pense qu'il va mourir. Là, si j'envoie Ogar, c'est pas. Il va prendre cher, Ogar. Qui c'est qu'on prend? On prend Lège. Il y a Force Nature. Ou Sarinth, mais bon, Sarinth, c'est pas ouf quoi. Cruel, vous voulez tester Zerator? Franchement, bon, on va tester Zerator, mais il va mourir, hein, Zerator. Là, il va se faire one shot. Là, c'est une méga sensu qui part et il aura pas le temps d'attaquer. Hein. Je pense qu'il va mourir. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc au final, Zerator a servi à heal l'adversaire, donc c'est parfait. Ah non, je vais prendre Sarinth. Je vous l'avais dit. Non mais je vous l'avais dit. Personne ne m'écoute. Putain, hey, il va nous faire chier avec sa Roselia de merde. Hein, il est sérieux lui. Il attaque. Nice. C'est bon, ça devrait pas faire de dégâts même s'il a augmenté. Voilà, c'est bon, ça fait 0 damage. Alors on est nul. Plus la merde. Allez, vive l'attaque. Voilà, parfait. Bon, on a perdu trop de temps. Hein. J'aurais dû le tuer avec Sarinth direct. Bon, le problème, c'est que Xari, là, il est un peu à poil. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Faut que Xari passe level 20, là, pour que je puisse avoir Kirlia. Ah, c'est la fille. Ok. Ok, c'est la fille. Troisième dresseur, les gars. On n'abandonne pas. Typical saloperie, là, en face. Oh, Maril, c'est bon. On va jouer dans les intervalles, donc on va changer de Pokémon dès le début. Avec Pokémon. Avec genre Lège. Et on va faire Balugrenner. Parce que là, il va nous faire une attaque haut. Attaque haut, ce sera parfait sur Lège, puisqu'il prendra 0 dégâts. Ah, boule armure, bon, c'est encore mieux. Très très bon. Très très bon. Ok. Non, Lège, je pense qu'il est là, il est très bien, parce qu'il a Balugrenner. Oh putain. Les dégâts de Balgren. Bon, j'ai touché que deux fois. On en parle de ta roulade, t'as cru que t'allais la stacker? Alors ça, hors de question, mon gars. Balugrenner, terminé, fin du game. Au revoir. Allez, Maril. Ciao, à bientôt. C'est parfait. Nickel. Xari qui passe niveau 20, du coup. Ça, c'est très bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va? Balignon. Balignon, on va changer parce que c'est plante. Et que j'ai rien pour contrer plante.
Je vais prendre Saren, celui au moins il a des attaques de type normal. Et ce sera très bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, son Banino? Est-ce qu'il va nous envoyer des vieux... comment ça s'appelle? Oula. Comment ça s'appelle? Vampigraine. Je sais pas. Oh non. Oh d'accord, mais ta mère. Oh sérieusement quoi. Sérieusement. Tiens chien, j'oublie à chaque fois. Les gars, j'oublie à chaque fois qu'il a le poste de sport. Oh putain. Ouais, j'aurais dû Taillade, vous avez raison, je suis débile. Taillade, c'est super efficace et moi je suis ridicule. C'est pire move. Ah, c'était... Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a envoyé? J'ai pas vu. Merde. Envoyons au gars. Il envoie quoi alors? Là, il va m'envoyer le counter total. Chamallow, c'est bon. Ah oui, counter total, c'est du feu. C'est pas grave. Coup de boule. Boum! Là, t'as peur, normalement, t'attaques pas, mec. Ah, c'est bon, il a fait rugissement. Est-ce qu'il a une B? Non, il a pas de B, donc il est mort. Alors parce que là, si je prends de l'attaque feu sur mon pauvre Ogar va se faire défoncer. Le coup critique qui passe. C'est terminé, désolé. C'est terminé pour toi, Chamallow. Attention. Voilà. Xavier évolue. Putain. Xavier évolue. Et il devient un magnifique Kirlia. Voilà, Kirlia. Très bien ça. Bon, j'espère que maintenant il va être un peu plus énervé notre Xavier. J'espère qu'il a récupéré masse HP hein, parce que sinon ça va me saouler. Attention, je crois que c'est Mémé, ouais, c'est Mémé. Et après c'est le frère et c'est terminé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, je vais te faire payer, prépare-toi à perdre, ok ta mère quoi. Mais elle est méga forte hein. Je crois qu'elle genre c'est une machine de guerre. Regardez là. Ouh, un Pokémon. Oh Meditica. Alors on a un Meditica. Nous on a Xavier mec. Je peux pas test. Tu peux pas tester Xari, yeah, choc mental, pied voltige, je suis mort, ok ta mère, yeah, c'est pas très efficace, c'est ça ouais, magnifique, prenons l'ège, parce que Ogar va se faire one shot à coup de pied voltige, donc lui on va lui mettre un petit bluff déjà d'entrée de jeu, enculé de rire, le mec il fait ça, il s'est protégé, donc bluff marche plus, allez Valgren, c'est parti. Regardez les dégâts de Balgren. Bam. 1 2. Allez encore. Putain. Juste voilà, j'ai touché 2 fois. Mais attendez, quand je vais toucher 5 fois, il augmente normalement son attaque. C'est parfait. C'est nul. Allez Balgren encore une fois. Allez lège putain. Quoi? Ah c'est bien. C'est bien ce que je pensais là. Ça avait fait moins de dégâts. Et là ça en fait plus. 3 fois 4 fois. Allez on continue sur cette lancée. C'est ça qu'on veut. C'est bien. C'est bien ça, Lège. C'est bien là, oh. Oh, le pied voltige. Mais alors, on est nul. On n'arrive pas à me toucher, tu t'écrases au sol. Il est ridicule. Ridicule. Ridicule, mon gars. Il s'est écrasé comme une merde au sol. Alors, on pue la merde. Allez, à plus. A plus en LAN. Il s'écrase au sol, quoi. Mais n'importe quoi. Alors, c'était le dernier. C'était les derniers, d'accord. C'est la première fois que je vois un dresseur qui maîtrise aussi bien ses Pokémon. Mais il vaut mieux que je te prévienne, mon fils est plus fort que toi. Ah oui. Non, c'est le mec de la ligue. Ouais, d'accord, ok. Ah merde. L'autre est en train de crever. Il me donne rien. D'accord. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Un Brack Macho. Le Brackmar. Magnifique. Ok, donc là, on a un Pokémon qui est en train de crever sa race. Ne t'inquiète pas, Sarens, je suis en vélo, je vais te ramener. Faut un petit peu de stunt. Sarens, ne meurs pas. Allez, Sarens, ne meurs pas. Voilà, c'est bon. Vite, mon Pokémon est malade. Soignez-le. C'est bon. Bon, on a fait un petit peu de prise de level. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. On a un Zerator qui n'est pas en forme. Ah ouais, faut le dire, il n'est pas vraiment en forme. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, c'est la merde en fait. Parce que du coup, je sais pas. Vous pensez qu'on a le niveau? Non. Est-ce qu'on a le niveau pour aller le défoncer? C'est ça qui est problématique. Je crois qu'il reste des dresseurs sur la droite. On va peut-être aller les chercher. Le problème, c'est que mon Kirlia, ça pue la merde. Je trouve que ça pue vraiment la merde. Dans le sens où il n'est pas résistant du tout en fait.
Bah Magneton niveau 24. D'accord. Ah ouais. J'ai pas de Pokémon de feu en plus. Voilà, vous voyez, juste un Magnétis, c'est trop chiant. Parce que là, choc mental, ça lui fait rien, il me semble. Choc mental, genre, c'est pas très efficace. Si je dis pas de bêtises, c'est pas très efficace. Ouais, voilà, putain, ça fait chier. Ah là là là. Ah, c'est... Eh, les gars, ça me saoule. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre un Magneton? J'ai pas de Pokémon de feu. C'est le feu. Oui, il faut le feu, normalement. Le feu pour le démonter. Faudrait le monter, mais je sais pas. Un Pokémon de pierre. Attraper un chamallow. Ogre tombe roche. Ah oui, Ogre tombe roche. C'est vrai que je peux apprendre tombe roche. Qu'est-ce qu'il appelle? J'ai pas vu. Je change pas. Ou un Pokémon sol, vous avez raison. Vous avez complètement raison. Mais le problème, c'est qu'Ogre, il est sol et acier, donc du coup il prend des dégâts quand même. Alors choc mental. Oui, lui par contre, lui il va pas faire le malin, il va se faire démonter la gueule. Allez, à plus! Ciao! Wow! Les dégâts de choc mental. Bien joué, ça, Xav. Bon, on a battu le guitariste Bibou. Très bien, ça. D'accord, donc là, agression de guitariste Bibou. Ok. Et lui, il doit avoir que des Magikarp, je suppose. Ouais, bon, on va le défoncer, puis ce sera bon. Typical Kirlia, oui non mais Kirlia c'est fort c'est sûr. Mais après, comme vous m'avez dit sur le chat, c'est vrai que la plupart des Pokémon psy n'ont pas de défense. Ils sont crachés à la gueule, crachés dans la bouche. Donc c'est difficile. Là on va voir on va voir comment ça se passait contre Voltaire. Si Voltaire est aussi fort que ça ou pas. Je ne sais pas. C'est pas du tout. Bon alors, Xary, pourquoi il est confus? C'est quoi cette connerie? Xary t'es pas confus. Bon, voilà, déjà ça commence bien. Xary est confus, il va se frapper comme une merde. Allez, oh! Merci là. Allez, meurs. Voilà, il est mort, mais il est pas mort. N'importe quoi. Le mec ne meurt pas quoi, c'est super efficace, mais alors là, quand il s'agit de mourir, il n'y a plus personne. Alors, t'es pas confus, mec, arrête tes conneries. Putain, c'est tellement. Je déteste les trucs qui font de la confusion, merde. Hein. Oh, et puis il a empoisonné, confus. Bien joué, merci. Merci. Parce que bon, c'est pas que ça va bien la comédie, mais si je me faisais tuer par ça, on va demander un remboursement du jeu intégral. Là. Ah, le combo, ouais, non mais le mec confus, plus empoisonné, plus paralysé, plus endormi, plus. T'es genre tout. Attends, y'a un truc là-haut quoi. Non, pas du tout. Attention, Xary va-t-il mourir? Xary, vite, mon Pokémon est malade! Sauvez-le! Non! Xary! Non! Non! Il est mort. Mais bon, on va le soigner. Putain. Putain, je suis trop déçu. Trop déçu. Bon, c'est pas grave. Allez, on se barre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire Voltaire. On a deux potions. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Sauvegardons ici, on sait jamais. On sait jamais s'il y a un bug et tout dans la matrice. Je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être dur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Sac, je crois que j'ai tombe roche. Tombe roche, tant pis, faut l'appeler à quelqu'un. Faut l'apprendre à quelqu'un. Oui, et je vais l'apprendre à mon ami Ogar. Oui. Bon, on est d'accord que griffe acier c'est de la merde. Moi j'aime pas griffe acier, je trouve ça nul à chier. Enfin, genre, entre ça qui a 50 d'attaque et ça qui a 50, mais qui immobilise l'ennemi avec les rochers et qui baisse sa vitesse, voilà. Vous voulez enlever coup de boue, vous êtes sérieux? Ah ouais, c'est trop bien, arrête, c'est nul griffacier. Mais moi j'aime pas du tout griffacier. Ouais. Coup de boue, c'est de la merde, putain. Vous êtes sérieux, c'est trop bien coup de boue. Non, je préfère gagner coup de boue, moi, je préfère le garder. Ah, je sais pas, putain, je sais pas. Je sais pas, putain, qu'est-ce qu'on fait? T'en as besoin contre les Pokémon Roche. Ouais, mais est-ce que je vais rencontrer des Pokémon Roche? Je vais pas rencontrer des Pokémon Roche maintenant. Et puis ça me sert à rien, moi. Allez, casse-toi, Griffacier, c'est bon, ça m'a saoulé. De toute façon, les Pokémon Roche, je les tue avec Savant Sélège, hein, donc pas besoin de ça. Je m'en bats les couilles. Non, coup de boue, je le garde. Je sais pas, c'est comme les gens qui me disent c'est de la merde, coup de boue, c'est de la merde, Balgren, mais j'aime bien ses attaques. Moi, je suis pas là pour faire le typical technical player, quoi. Je m'en bats les reins. Ok, d'accord.
D'accord, alors je suis débile en fait. Voilà. Alors, bon les gars, c'est Voltaire. C'est Voltaire. Est-ce qu'on met Hogar en premier? On met Xavier en premier. Il a quoi en premier, les gars? Dites-moi. Dites-moi, il a quoi en premier, Voltaire? Les mecs, là, j'ai trop peur. J'ai méga peur. Voltorb, d'accord. Giratina, non, mais n'importe quoi. Voltorb, d'accord. Voltorb. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Xavier en premier, quoi? Putain, je sais pas. Voltorb. Bon allez, on va l'utiliser. Xerie en premier. Bon allez, alors je passe pour t'installer des portes. Ouais, ok, trop cool. Tu dis que t'as réussi à passer toutes tes portes piégées. Ah, c'est surprenant. Lol, MDR. Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, je vais t'électriser. Lol, XD. D'accord, ok. Ok, Voltaire, 4 Pokémon. Il commence avec un Voltorb, niveau 20. Allez, Xerie, ma gueule. Choc mental. Putain, mais c'est... Non mais c'est pas que j'ai peur de lui, c'est juste que voilà, regardez. Enculé de rire, c'est pas vrai. Oh non. Mais va bien te faire enculer quoi, c'est sérieux ça. N'importe quoi. Voyez la chatte dans ce jeu. Oh mais la chatte. Putain, va niquer ta mère quoi, vu que ça me suit ça. Voilà pourquoi j'avais pas envie de commencer avec Xerie. Typical Pokémon nul à chier. Bon, tant pis, on va y aller avec lui. Oh là 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 là, je suis méga deg. Bon, bref. Ok, ça ne sert à rien. Non, mais ça c'est nul. Par contre, il paralyse à chaque coup, il va bien se faire enculer, on est d'accord. On est d'accord, de vous à moi. Il va bien aller se faire foutre. Allez, sus. Il a pas intérêt à me paralyser parce que ça va me vénère. Allez, le vol de vie, petit coup critique. Tom, tu connais les bye. Si ma gueule, bien wesh. Pas très... C'est nul. Ok, parfait. Allez, petit vol de vie encore une fois. Bien wesh, Sarence. C'est bien ça, Sarence. Voilà. Enculé de rire. Oh pute! Hey, c'était plutôt chaud quoi. C'était méga chaud. Ok, alors ce qu'on va faire, stratégie les gars. Stratégie, sac. Where is super potion? Putain, l'anti-jeu quoi de l'explosion. Quoi. Nice! Allez, tue-le-moi. On te choc! On te choc, choc, choc! Oh, lui, c'est one shot, bien sûr. C'est normal, hein. Vol haut, c'est x4, hein, les dégâts électriques. Ça dégage. Alors là, on prend Hogar. Et là, vous allez voir. La stratégie, c'était coup de boue. Ok, il monte sur l'attaque. Là, j'ai méga. Il monte sur l'attaque, mais pas sur l'attaque spéciale, donc ça me va. Voilà, et elle baisse la précision, regarde. Oh, il est blind. Il voit plus rien. Alors, Lee Sin. Nice. Ah, ça c'est génial. Là, j'adore ce que vous faites, monsieur. Parfait. Donc là, c'est parfait. Alors, attendez, je baisse d'abord sa précision. Comme ça, j'ai peut-être une chance qu'il loupe au prochain coup. Et là, je mets un tambour rush. Ah, mais en deux chocs. Ah, mais je suis con. En deux chocs, on peut pas louper. Complètement oublié. On peut pas louper. Oh là 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 là, mais quelle pédale. Là il va le soigner. Il va le soigner, tu vois, j'avais dit. Sale pédé. Ça c'est la merde. Encore un petit embroche des familles. Voilà. Allez, le critical. Voilà. Putain. Mais alors ta mère. Non, on change pas, mec. Alors, Magneto en tombe roche.
Ah, il va me tuer. Il va me tuer. Ah, il va me tuer. Ah, merde. Ah, mais je suis mort. Bon. PD, va. Alors, temporisons. Avec sa reine, ce qu'il y a, c'est que je vais faire aucun dégât. Balgren ne fera aucun dégât non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire bluff. Tiens, bluff. Alors, prends des dégâts? Pas du tout. Alors, maintenant, on va faire sac. Oh, j'ai du rappel. Gros dégâts, ouais. Mais en deux chocs, on est d'accord qu'il ne peut pas louper cette attaque. Je crois qu'il peut pas la louper. Ouais, on est d'accord. Ok, bon, ça c'est chiant. Je crois que je vais perdre. Et là, je vais pas pouvoir gagner, là. Ça va être difficile. Oh putain, Trindamer, mon gars! Bon, ça va tuer. Bon, ouais, je suis mort. Alors, concernant les dégâts, concernant les damage de ce mec là, c'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend Sarenz en premier? On prend Sarenz en premier? Ouais, ok. On va faire que des taillades. Parce que taillades, ça va augmenter les dégâts au fur et à mesure. Eh ouais, mon gars! Pouh! Alors, ma gueule! Tu fais quoi maintenant? Je suis plus paralysé! Putain, mais c'est nul en fait, Tayad. Oh, mais va te faire enculer. Genre, le mec il réussit deux fois que j'éclaire. Enfin, concernant ta chatte là. Chier, j'en ai plus. Merde. Attendez. Est-ce que j'ai pas un truc genre. Un anti-para. Un peu plus, rappel. Ça veut dire. Un peu plus, mille. Ah, pas du tout, j'ai aucun item. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Putain, vive attaque. Vol de vie. On va faire des vols de vie. Oh là là, le combo paralysie plus ça. Non mais très sérieusement, tu peux pas aller mourir. Vous allez me dire que Ultra Soir et Cage Éclair, ça a 100% de réussite. Vous êtes fou quoi. Vous êtes malade. Vous êtes complètement malade. C'est fou, hein. Complètement fou. Parce que d'abord, je vous signale que normalement, donc, il est plus confus et il est paralysé cette fois. Ah non, c'est bon. Je vous signale que pas du tout. Cage Éclair, moi quand je le fais, ça marche une fois sur. Oh putain, mais je fais nos dégâts. En magnéton, c'est trop chiant quoi. Genre. Putain! En fait, j'aurais dû mettre tombe roche sur Sarenz. Je récupère un PV par un PV, c'est worth it. Ah! Alors, on l'a senti là le coup critique! Ah ouais, mon gars! Là, il fait moins le malin, je vous le dis. Poursuite ses ténèbres, il ne craint pas. Est-ce que je réessaye Taillade? Est-ce que je fais que des Taillades? Putain. Oh, Sonic Boom! Ça branche, je vais faire défense. Ah oui, d'accord, ça l'a même pas bougé ses PV. Je vais essayer de taillade. Sonic Boom! Ouais, je suis mort. Ça va bien niquer. Bon, ouais, j'ai perdu. Oh là 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 là, là c'est chaud. Non! Mais non, mais t'as pas le droit! Oh putain, mais Ogar, il avait qu'une attaque à réussir, il a loupé quoi. Oh là 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 là, mais sérieux. Sérieusement, mais va bien te faire foutre quoi. Ça me saoule. Ça y est, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé en deux secondes. J'ai plus d'argent du coup, j'ai perdu trop de thunes. Ah voilà, je suis pauvre là. Putain, mais Ogar. Bon, le Voltorb nous a mis au fond hein, au début. Donc ce qu'on va faire. On va mettre Sarenz. Là, tant pis, il va bien aller se faire foutre lui. Hop, on va aller acheter masse potion, masse rappel, et va bien mourir. Alors, super potion. Oui, j'en voudrais 14 000. Ah putain, j'ai pas assez d'argent. Bon,
35. Ah putain, il fait pas les rappels. Il fait pas les rappels. Vas-y, j'en prends 3 de plus. Non mais Hogar, très honnêtement, Hogar il a niqué la game là. Enfin, je veux pas être méchant, mais... Enfin voilà, Hogar a niqué la game de ouf, hein. Mais il a cassé la game. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre face au Voltorb, on va mettre Saren, c'est bon. Allez, go. Chier ce Saren, ça. Bon. Ce qui fait chier aussi, c'est que le seul qui peut faire des dégâts, c'est Hogar. Et Hogar, ce gros con, il se fait tout shot. Je vais garder le rappel pour lui, mais bon. Bon, on a Zerator. J'aurais dû prendre un Pokémon de plus qui aurait servi de mule, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, toi, c'est de suite. Vive attaque. Ah, ok, t'es un salaud. Ok, t'as mis. S'il me paralyse, je pète un câble. D'accord, merci. Enfin, il faudrait peut-être que... Faudrait peut-être qu'ils arrêtent de chatter en face, quoi. Allez, fais ton explosion de merde, là. Allez, un petit coup critique, s'il vous plaît. Voilà. Étincelle. Il va me tuer avec l'étincelle, je le sens, à 20 km. Moi, je prends pas de risque, hein. Je prends pas de risque. Hop. Hop. Voilà. 22 points de vie. Étincelle. Voilà, destruction. Vous voyez pourquoi? Je prends pas de risque. Je ne prends pas de putain de risque. Va mourir. Chien. Grincement. Non. Okay. Alors. Dynavolt. Oui. On va faire comme tout à l'heure. Zerator et la mule. On va super potion Saren et ce sera parfait. Ok, on est bien. Ouais, mais Taillade, je suis d'accord, Taillade ça fait beaucoup plus de dégâts, hein, on est à chaque fois que j'utilise. Mais le problème, c'est que Taillade, malheureusement, alors attendez, sac. Malheureusement, Taillade ça pue un peu la merde contre Magneton. Donc du coup, j'ai beau faire le double des dégâts, si je lui fais 1, je vais faire 1, 2, 4, c'est tout. Il faudra des années pour le faire des années. Mais Taillade c'est nul à chier, hein. Je sais même pas pourquoi on a cette attaque avec lui. C'est trop pourri. Trop de la merde. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est que contre lui, on va prendre... Où est Hogar? Hogar est là. Hogar est là. Bien joué, Hogar. Coup de boue. On va faire coup de boue. T'embroche. Bien joué! Voilà, mon gars. Il passe la précision. Là, il va faire gros yeux ou mes couilles, là. Voilà, grandement. Bien joué, ça. Fais du grandement. Vas-y, ma gueule. Voilà, là un petit ombroche qui a pas intérêt de louper, sinon je te pisse à la gueule au gars, mon gars. Attention. Voilà, allez, loupe pas, mec. Allez, un petit coup critique sur le tomberoche. Parfait. Ah putain, je suis méga deg. Voilà, utilise ta super potion, fais ton malin. Quel chien, mec. Faut pas que ça loupe, par contre, au gars. Putain, mais au gars, sérieusement. Ouais, il loupe son attaque, c'est bon. Hogar! Il veut que je le démonte, hein. Bon, ça va, merci. Bon, il faut que je garde du temps branche, j'en ai plus que 5 maintenant à cause de ces conneries. Tu as coup de boue là, c'est super efficace. Est-ce que coup de boue c'est super efficace? Est-ce que ça marche contre Magneton? Putain, c'est un onde de choc de merde. Oh, les dégâts de onde de choc, quoi. Et c'est super efficace alors, du coup. Ouais. Ah, c'est x4. D'accord, ok. Ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Sarens et qu'on va faire vive attaque et il va mourir. Attendez, avant de faire vive attaque, est-ce que Dynavolt, si je vous fais vive attaque, il va me paralyser ou pas? Non, mais il a lévitation, on est d'accord. Ouais, c'est pour ça.
Il a pas les vitamines. Vous êtes sûr? Possible. Non. Peut-être. Oui. Nope. Non. D'accord. Je vous fais confiance. Allez vous faire enculer le chat. Allez bien vous faire enculer. On me dit tous non et en fait si. Super. Bon, magnéton. Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir soigner. On va devoir soigner Hogar. Faut pas qu'il se fasse one shot en fait. On va lui préparer le terrain Hogar. Ok, calme-toi là, calme-toi instantanément. Elixir. Super potion. En plus, le pire, c'est qu'après son magnéton, il reste encore un Pokémon. Alors, attaque. On va faire une petite poursuite là. Sarenz, faut que tu survives, Sarenz. Fais pas le con. Bien ça. Putain, on a trop de pression là, dans ce game. On a trop de pression. Tant qu'il fait des ondes de choc, ça va. Si j'arrive à le tuer à des petites poursuites à la chaîne, ça peut être intéressant, bien sûr. Le problème, c'est que je suis paralysé parce que le chat est débile. Donc c'est un peu dur. Oh là 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 là. Je suis paralysé. Va te faire fou. Ces dégâts, ça avait pas assez de dégâts tout ça. C'est la merde. Ah, c'est la merde. Onde de choc. Poursuite. Vas-y, on teste la vive attaque pour voir si ça fait plus de dégâts. Ah, fais chier. Ah, vive attaque, je peux attaquer en combien? Ah, bon, on va faire vive attaque alors, c'est plus intéressant. Enculé de rire. Ah non, c'est moi, c'est mieux. Bon, allez, attention, Sarenz va mourir dans 3-2-1. Il est mort. Oh, il survit, Tridamer. Regardez les potions. Les potions. Ah, fait chier, quoi. C'était pas paralysé. Je pense qu'on lui enlevait beaucoup plus de PV. Ok, poursuite. Oh nice! T'as loupé une attaque, mec. Allez, t'es pas paralysé, mec. Bah nice! Voilà! Voilà alors, Magneton, tu fais quoi maintenant? Tu te fais poursuivre? Ah, mais c'est bien parce que du coup, il utilise toutes ses ondes de choc. Ça a combien de PP ondes de choc? 20? 20, 15, 10? On est d'accord? Ouais, il a loupé son attaque, parfait. Nice. 20 P, d'accord. 20. Il a utilisé déjà quelques fois. Ah, tu loupes ton attaque, hein, t'es une merde. Oh, c'est vraiment une merde en ce moment. Allez, j'utilise une dernière potion sur mon ami Sarenz. C'est bien. C'est bien ça, Sarenz. Oh, c'est bien, Sarenz. Nice. Dernière potion que j'utilise sur lui parce que sinon c'est la merde. Là, même si c'est une super potion, il va pas le remonter toute sa vie. Impossible. En de choc. Enculé la chatte à ta mère. Oh là là, la méga chatte. Oh la méga chatte. Oh là, si c'est ça, c'est pas de la méga chatte. Je sais pas ce que c'est qui met un coup critique. Et là, la chatte qu'il a, je vais louper là. Je suis paralysé. Non, c'est bon. Allez. Allez, bien. Voilà. C'est une super potion. Ça lui redonne pas toute sa vie. Pas possible. Ah putain, ça lui redonne bien presque toute sa vie. Chier. PD. Ça tue pas. Sarenz, c'est au-dessus de tout ça. Ça tue pas, Sarenz. Ça tue pas. Voilà, Tryndamer. Putain. Bon, est-ce qu'on change de Pokémon ou pas? Parce que là, lui, il résiste comme un enculé. Hein. Vas-y, on s'en bat les couilles. On utilise la dernière potion. Allez. Allez, Sarenz. Allez, Sarenz, putain. T'es là, Sarenz, mon gars. On va lui faire claquer toutes les pépés, mon gars. Il aura plus d'onde de choc. C'est ça, ma gueule. Bien joué, ça, Sarenz. Encore.
La poursuite qui passe encore une fois. Bien. Le critique, mon gars. Putain, mais ça rentre. Putain, mais ça rentre. Encore. Ça tue pas, ça tue pas. Et là, tu mets une dernière poursuite avant de crever, ça rentre. Vas-y, fais-le pour moi. Putain, ça rentre. Bon, comme tu vas mourir, vive attaque. Ça fera déjà toujours quelques dégâts. Et là, malheureusement, l'onde de choc qui va passer. Et attendez, il a utilisé combien d'onde de choc là? Franchement, onde de choc là, merci, merci, mais non merci quoi. Ok, Ogar. Ogar, c'est le moment de briller. Ne loupe pas ta putain d'attaque! Ogar! On fait quoi? Les gars, est-ce qu'on fait coup de boue ou tombe roche? Coup de boue, tombe roche! Il faut que je sache! Pas tombe roche. Coup de boue, vous êtes sûr? Attention. Mais nice! Ok. Putain, elle est encore en deux chocs. Il va me tuer avec ça. Oh, il va me tuer avec ça. Non! Non! PD! Bon, Xari. C'est le moment de briller, Xari. Putain. Non, j'ai plus de rappel. J'ai utilisé tout à l'heure. Oh oui, nice! Un petit choc mental là. Qui fait pas bien à ta tête. Oh putain, ouais, mais alors si, ils sont bas les couilles. Tu peux pas le ou avec. Comme ultrasons quoi. Enculé de rire. T'es pas confus, Xari! T'es pas confus, Xari! Voilà! Voilà, Xari! Allez! Allez, Xari! Lui il est confus! Tu le confuses, allez mon gars! Putain, l'onde de choc, ça va. Oh, ça va faire mal. Oh putain, ça va faire mal. Oh non, non, t'es pas confus, mec! Allez! Voilà! Voilà, mon gars! Lui, il est confus, là, tu le tues! Putain, tu le tues pas. Mais combien d'ondes de choc il a? Combien d'ondes de putain de choc de sa mère, la pute, il a, le mec, quoi? Sérieusement, trois quarts d'heure qu'il fait ça. Suspect boule, quoi. Casse ses couilles, ça. Non, 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 ça va bien la comédie, mais non. Non, non, lège, non, lège. C'est ça. Ah merde, ah oui, ça fait pas de dégâts. Ah non, ah, ça fait pas de dégâts. Ah pardon, et je pouvais pas le toucher trois fois. Il a fallu, hein, bien entendu, que je le touche qu'une seule fois, d'accord. Oh putain, mais ça me saoule. C'est ouf la chatte qu'il a, quoi. Ouf, là je vais mourir. Voilà, il se blesse. Oh, mais. Tao! Oh mais nique ta mère! Chier, hein. Le mec a des PP illimités. Oh, mais c'est incroyable, quoi. Putain! Vas-y, ça me saoule. Ça m'a trop saoulé. J'ai plus de gold en plus. J'ai plus d'argent. J'ai zéro. Voilà. Zéro thune. Et je me casse. Je fais pas cette arène. Je fais pas cette arène. J'en ai rien à foutre. Voilà, je vais faire du vélo. Je vais faire du vélo pour me promener un petit peu, pour me détendre. Je fais un peu de vélo parce que. Oula. Je m'aère les esprits. Ça m'a saoulé, ça y est. Ça y est, ça m'a saoulé quoi. Bon, ça me casse les couilles. Donc je vais mettre là avec ces vélos. Je vais sauvegarder. Voilà. Fin du game. Eh ben les amis, on n'aura pas réussi à battre Voltaire. J'aurais jamais dû prendre un starter plante, ça pue la merde face à ça en fait. Le starter feu c'est tellement mieux parce que je trouve de la plante directe. Et là j'ai pas de feu, c'est trop dur. Bref, bon écoutez les amis, j'espère que cette partie du let's play vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Xavier Gigi comme d'habitude en cliquant juste en bas ou en cliquant, je sais pas, il y a des annotations des fois, etc. Je ne sais plus. Ouais, c'est Xavier qui fait ça comme d'habitude. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore Twitter qui sont dans la description de la vidéo. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très très bientôt pour une autre partie. Ciao.